Et salut à tous, c'est Benusco et on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Exorcist Ferry. Donc en live sur Twitch et en vidéo sur YouTube. Dans cet épisode, je vais m'attacher principalement à vous montrer en fait un combat contre un boss que je n'ai pas encore réussi à battre. Vous voyez qu'aussi ici au niveau du temps de jeu, je suis à 5h41. Il faut savoir que cet après-midi, j'ai déjà essayé de combattre ce boss. J'ai quasiment pas avancé par rapport à la vidéo d'avant. Et puis j'ai passé environ 3 heures sur le boss sans réussir à le vaincre. Donc là, voilà, si j'y arrive, je laisserai dans la vidéo YouTube seulement la partie où j'arrive à vaincre le boss. Et puis bah, les personnes sur Twitch verront tous les différents essais. Pour les personnes qui n'étaient pas là au moment où j'ai essayé, je vais vous montrer ce qu'il est important de signaler. Voilà, j'ai trouvé ça en fait, le Wooden Jujube, qui va améliorer les soins qu'on va faire avec la gourde de soins. C'est-à-dire que le soin va nous rapporter, je crois, 3 points de vie au lieu de 2. Voilà, et donc au niveau de la carte, voilà où on se trouve. J'ai trouvé ça sur la partie ici, il me semble. Hein, il me semble que c'était ici en haut à gauche où vous pourrez trouver ce nouveau bijou qui va venir s'encastrer dans le bracelet. Et ça se trouve ici, et donc bah là, on va retourner sur le boss qui est là. Et puis, bah, allez, on va voir ce que ça va donner et puis combien de temps il va me falloir cette fois-ci pour réussir à le vaincre. Oups, alors si je me mets déjà dans la lave dès le début, ça va pas trop aller. C'est parti. Donc, il est vraiment juste à côté. Mais il est vraiment compliqué. Hein. Honnêtement, j'ai pas de souvenir de jeu où j'ai autant galéré sur un boss que sur celui-ci. Allez, ça va être parti. Il y aura 2 phases. La première, ça va à peu près, mais la suivante, c'est vraiment un enfer. Allez, on est parti. Ouais, donc là, il va falloir que je me remette un petit peu dans le jus, on va dire. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de l'attaquer au niveau de son double menton. De toute façon, il n'y a que là où on pourra faire des dégâts, hein. Je pourrais utiliser à ce moment-là également la magie de froid, mais ça me distrait beaucoup et du coup bah, je me prends des dégâts que je devrais pas. Du coup, je préfère voilà, le faire au calme ainsi. Bah, il faut vraiment que sur cette première phase, j'essaie de ne pas perdre de vie. Je pense que je laisserai dans tous les cas ce try en premier avec les explications. Et puis après, je mettrai uniquement celui où je réussis à le tuer, si j'y arrive. Parce que sinon, je vais être obligé d'abandonner le jeu. Hein. En plus, le jeu n'est pas bien connu, donc j'arrive pas à trouver de vidéo qui explique quoi que ce soit. Donc je laisserai ce try là, et après, bah, le suivant, si la vidéo YouTube sort, ça veut dire que je l'aurai vaincu. Et alors, ce sera celui où j'arrive à le tuer. Mais bon, je suis pas hyper confiant, on va dire. Hein. Donc là, c'est la première phase, on va dire, qui reste encore assez facile. La seconde va bientôt commencer, où du coup, il va faire également des attaques qui partent du sol. Là, ça va être déjà un peu plus délicat pour moi. Et puis alors la troisième, vous verrez, hein, si j'y arrive. Voilà, là, c'est des attaques au sol. Donc on a des boules qui vont partir. Et voilà, il va falloir du coup éviter les 2 attaques en même temps, les boules qui sortent du sol, plus ses attaques classiques. Allez, là, ça va être les boules. Allez, l'attaque des boules. Attention, qu'est-ce que ça va être? Ok. Et puis donc à un moment donné, j'espère qu'on va arriver à la dernière phase. Enfin, je pense que c'est la dernière, hein, parce que je lui ai jamais enlevé non plus un max de vie. Voilà, il faut faire attention où on se trouve pour lorsqu'on arrive à la moitié de vie. Voilà, hop, voilà, là on est sur la moitié, donc il y a en plus cette boule, et donc il tombe les masques. Et là on le voit dans toute sa splendeur, j'ai envie de dire. À savoir que la boule nous fait 3 points de vie en moins d'un coup. Ah non, 2 points de vie en moins d'un coup. C'est déjà pas mal. On va pas en demander plus. Flûte.
Hop, donc là, je vais me soigner. Donc là, je prends ça. Hein, je l'équipe ici pour reprendre plus de points de vie. Mais souvent, c'est également quand je vais changer, hop, comme ça. Lorsque je reviens dans le game, bah, c'est là où j'ai du mal, en fait. Je semi-panique. J'ai perdu un petit peu la... le coup, on va dire. Donc là, je vais essayer d'utiliser la magie à flûte de glace qui permet normalement de glacer du feu. Hein, et puis du coup, bah, ça peut bloquer la boule. Mais pendant qu'on fait ça, on n'est pas forcément à 100% à regarder ce qui se passe à flûte. Voilà, comme là. Voilà, bon, bah, en plus, là, j'ai raté. Ouais, voilà. Bon, bah, c'est perdu. Donc, celle-ci, je la laisserai dans la vidéo si elle sort. Et puis, bah, maintenant, c'est reparti pour essayer ça en boucle et en boucle et en boucle. Allez, bah, c'est reparti. Ah, ça y est, les boules. Celle du milieu. Allez, les boules. Yes. Allez, il va ouvrir son torse. Non, pas encore. Quand est-ce que tu tombes le masque, mon cochon? Ça y est. Allez, bouffe ça déjà, tête de veau. Allez, boule, mon dieu. Ok. Des boules.
Poupou. Allez, les boules, là c'est tendu. C'est bon. C'était juste. Allez, encore les boules. Attention, soyons pas trop gourmands. Les boules. Flûte. Oui. Oui. Ah. Tout Jésus, c'est bon, il est mort. Oh my God. Il m'aura fallu quand même quasiment 4 heures de trail sur cet ennemi pour réussir à lui couper la tête. Bon, bah, je pense que la première chose à faire, c'est d'aller faire un save tout de suite. Oh là là, j'y croyais plus, hein. C'est où le save ? Ok, c'est juste là, et puis on va aller voir quand même dans ensemble ce que l'on a gagné en le tuant. Voilà, le save est fait, parfait. Ah bah déjà, on a un point de vie supplémentaire, donc on en a 6. Ça, c'est une bonne chose. Et alors maintenant, on va aller voir s'il y a... On aurait besoin d'un nœud pour augmenter les places sur le bracelet. Regardez-moi ça, il fait moi le malin maintenant, hein. Il y a toujours ces petites côtes qui battent la chamade. Ouais, non, on arrive dans la partie de l'eau. Ok, bon, on a gagné un point de vie, mais on n'a pas de compétences ou autre avec lui. Donc là, je pense que l'objectif suivant, du coup... Bah, ça va être de continuer par là. Il y a un boss également, je crois, hein. Donc quand je dis par là, c'est ici en fait. C'est le seul endroit où on va pouvoir aller pour l'instant sans nouvelles compétences. Alors je vais regarder quand même, est-ce qu'on n'aurait pas eu... Non, on n'a pas eu une de ces pierres, parce que je pense que c'est peut-être une de ces pierres qui est nécessaire pour améliorer notre épée. Mais non, on ne l'a pas eu non plus. Bon, donc voilà, dans le prochain épisode, je pense qu'on partira du coup à ce niveau-là
pour aller voir s'il n'y a pas encore un boss qui est juste ici, mais il me semble que oui. Parce que sinon, vu qu'on n'a pas de nouvelles compétences, là, on ne peut pas faire grand-chose. Hein. On ne sait pas nager, donc on ne peut pas aller dans le fond. On ne peut pas non plus rebondir sur les murs, donc on ne peut pas monter les grandes cheminées. On ne peut pas monter ici non plus, donc je vois que là, en fait, hein, et puis descendre ici. Ouf, eh ben, je suis pas mécontent, mais je dois dire que c'était quand même vraiment un des boss les plus difficiles que j'ai rencontré dans tous les jeux, où j'ai passé vraiment quand même beaucoup de temps, à 4 heures. Je pense pas que j'ai passé autant de temps sur un boss dans un autre jeu comme ça. Peut-être sur Devil May Cry et encore. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo sur Exorcist Ferry vous aura intéressé. Et je vous dis bah, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube ou en live sur Twitch. Salut !